Bonjour. Hello. Je m'appelle Hassan Darcy, je viens de Casablanca, du Maroc. My name is Hassan Darcy, I'm from Casablanca in Morocco. Je suis artiste plasticien, visuel, donc art visuel. I'm a plastic artist. Je fais des recherches. I'm doing research. Et des travaux artistiques appliqués dans l'espace public. And on works that are applied in public spaces. Et ma recherche, elle est appliquée sur plusieurs sites. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples d'actions. And my research refers to several sites, and so I'm going to show you several action examples. À commencer par ce costume que je porte, donc spécialement pour cette rencontre. Starting with the suit that I'm wearing, especially for this meeting. Ce costume, il fait partie d'un projet qui a duré 3 ans. This suit is part of a project that lasted 3 years. Autour d'un zoo d'animaux. It has to do with animals. À Casablanca. In Casablanca. Et contestant. Le projet conteste la situation de détention des animaux dans les zoos. And the project also has to do with the shutting away and detention of animals in zoos. Et l'indifférence des habitants, des citoyens. And the inhabitants or citizens' indifference about this. Voilà, dans le costume, il reprend en fait en image des objets qui font partie d'une grande collection. And on the suit, there are pictures of objects that are part of a big collection. Et c'est une collection participative, donc c'est beaucoup de gens qui ont contribué à créer cette collection. It's a participatory collection, that means many people have contributed to this collection. Et cette collection circulait dans la ville de Casablanca, dans différents quartiers, dans cette camionnette. And this collection was shown in different parts of the city of Casablanca and was transported on this truck. Et tout ça pour sensibiliser, pour créer un débat autour de la question du soin. And all for the purpose of raising awareness and starting a discussion about the care of animals. Voilà, donc je considère toujours ma pratique comme des exercices. And so I always consider my practice as exercise. Et comment l'art peut être aussi réfléchi à l'échelle du contexte où il est fait. And also thereby reflecting upon the scale of the context in which they are done. Voilà. Et je voudrais remercier Creative Time pour un autre exercice. And I would like to thank Creative Time for this exercise, for this opportunity. De parler de quelques projets qui ont duré des années en quelques minutes. In order to talk about projects that have taken several years and do so within just a few minutes. C'est une réduction, mais quand vous allez voir. It's a reduction of scale, but as you are going to see. Je travaille beaucoup sur la réduction, justement. I'm working a lot on reduction of scale. Je travaille sur les maquettes. I'm working with models. Et c'est des maquettes qui ne projettent pas un projet futur. And these are models that are not projecting a future project. Mais la réalité telle qu'elle est. But the current reality such as it is. Donc c'est des fabrications de maquettes qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans. So these are ideas that I have in my head and then they take about 3-4 years to carry out. Et pourquoi des maquettes?
Parce que c'est une forme accessible. And why models? Well, because this is an accessible method. Et qui ne rêve pas de manipuler des choses et qui n'a pas fait ça quand il est enfant? And there are many of us who have played with them when we were children. Et puis, je ne veux pas compliquer, mais je voudrais aussi dire que je ne suis pas sûr que ce qui se passe autour de nous dans le monde. But I don't want to make matters complicated, but I would like to say whatever happens around us in this world n'est pas le fruit de méchanceté, toujours. De méchanceté, is not always the result of bad faith or nastiness. Mais je me dis que c'est juste parce que on ne voit plus rien. But maybe because we no longer see anything. Les gens ne voient plus la réalité. People no longer perceive reality. Et c'est un processus, comme vous savez, qui a pris le temps à se mettre en place depuis des siècles, un processus d'abstraction comme ça de la réalité et de la vie en fait. And this is a process that has taken centuries, a process of abstraction that lasts for a lifetime. Voilà, donc je vais vous proposer trois petites vidéos. I'm going to show you three short videos. Très très courtes. Qui reprennent trois projets. That show three projects. Le premier projet, je l'ai initié entre 2002 et 2003. The first one was started in 2002 and from 2002 to 2003. Le deuxième 2014-2017. The second one from 2014 to 2017. Le troisième. Je l'ai commencé en mars 2018. And I started the third one in March 2018. Et il est en cours. And it is ongoing. Voilà donc. So we'll see. Vous n'avez pas de lumière. Vous ne pouvez pas lire. So model number one, Hermitage Park, 2002-2006. The scale model measures 18 square meters. The lamppost measures 9.3 centimeters. The dimension of the roundabouts vary. They range between 9 and 11 millimeters. The lanterns are gilded balls of 1 millimeter. The smallest element of the scale model is on the carousel. The size of the external walls is between 1.7 and 3 centimeters. For the train, the rollers of the basin are between 2 and 3 millimeters. The length of the curb is 8 millimeters, the height 3, and the width 2 millimeters. The height of the trees varies between 5 and 10 centimeters. The hexagonal concrete slabs leading to the workshops from the entrance to the fun fair take the form of a pencil print and measure 5 millimeters. Voilà, donc, et cette maquette, elle a vraiment contribué à transformer ce parc de 17 hectares. And so this model really helped to transform this park measuring 17 hectares. Le parc a été réhabilité. The park was rehabilitated. Et des milliers de personnes en profitent. And thousands of people take advantage of it. Et je pense que les formes de maquettes permettent justement de regarder, de prendre conscience. Et de mesurer, en fait. And I believe the shapes of the models make it possible to take a look and to become conscious and to measure. Le second modèle. The second model. Le
modèle 2 concerne un bâtiment patrimonial de Casablanca. The second model concerns a building which is a cultural heritage site in Casablanca. Et il est juste en face de mon atelier. And it's just across from my studio. La vidéo à gauche, le monsieur qui peint. And you see the man painting there. C'est un monsieur qui peint une façade et un bâtiment qui est complètement abandonné et délabré. And he's painting the facade of a building that's completely abandoned and in bad shape. Parce que il y a des cortèges officiels qui passent dans la rue. Because there are official cortèges that pass in the street. Alors il se dépêche de repeindre pour la façade. There is some official event going on, and so he's trying to paint the facade as quickly as possible. Et nous, on est en train de faire la maquette de ce bâtiment. And there we are doing the model of that building, that is model 2. Et vous allez voir la suite. And you are going to see the continuation. Le vis-à-vis était vraiment très intéressant. It was really very interesting to look at it from across. Pendant qu'on construisait la maquette, while we were building the model, de l'autre côté, il y avait la démolition de ce modèle. And while we were doing that, model or the building was demolished. Donc, bien sûr, c'est des projets qui avec une grande communication, c'est des projets participatifs. So as I said, we do participatory projects with a lot of communication. On n'a pas réussi, si on a réussi à sauver, par exemple, le parc, le premier parc, on n'a pas réussi à sauver ce joyau de l'architecture Art déco à Casablanca. Unfortunately, we were not able to save or salvage this wonderful Art Deco building in Casablanca. Le troisième projet que je vais montrer, c'est à la campagne, dans un village. And the third project I'm going to show you is in the countryside, in a village. Mais je ne travaille pas sur une échelle, c'est à l'échelle de la réalité. But here I'm not working on a scale. I'm taking into account the scale of reality. Je travaille avec des fermiers, des habitants. I'm working with farmers and inhabitants of the countryside. Pour inventer un modèle économique. To invent an economic model. Parce que il y a des multinationales. Because there are multinational companies qui font des carrières de sable, careers. Who get sand from the quarries. Et qui détruisent en fait tout l'environnement. And destroy the environment completely. Qui dévalorisent les terres des habitants. Who bring down the value of the soil and the properties of the inhabitants. Et qui font de telle manière que la seule alternative économique pour les gens, c'est travailler dans ces carrières qui détruisent leur vie. And in the end, these people have no choice but to work in the quarries that have destroyed their lives to begin with. Donc, l'échelle de ce projet, c'est vraiment la vie, le rêve. The scale of this project really is the scale of life, of dreams, l'espoir, of hope, le désespoir, of despair, la résistance, of resistance, l'urgence, of urgency, et tout sauf la négation de la vie. Everything except negation of life. Ça commence par une révolte. It starts with a revolt.
là on occupe l'espace public par des panneaux qui disent non. So we are setting up signs in public spaces indicating no to quarries. Et nous disons aussi non autrement, comme vous allez voir. And we are also saying no in other ways, as you are going to see. Je travaille avec deux voisins, habitants, fermiers. I'm working with two farmers, two inhabitants. Pour produire des prototypes. To produce prototypes. Viable économiquement. That are economically viable. Et espérer généraliser ça à tous les villages. And we hope that we can extend this model to all the villages. Le paysage est sublime. You can see the landscape is sublime. Mais il est menacé, vraiment menacé par les carrières. It is threatened. It is really threatened by the quarries. Là, c'est une journée découverte pour découvrir les préparations des terrains. And this is a day of discovery for people to take a personal look at the area and the fields. Et là, on jouit déjà à la production de légumes bio. And here you can see an example of organic vegetable farming. Voilà, donc on oppose la vie à la négation qui est promue par les carrières et par les lobbies et par les multinationales. And as I said, we must not negate life, although it is threatened by multinationals and other factors. J'introduis des formes artistiques aussi, donc là c'est une série de portraits de famille. And here I also have included artistic shapes and portraits of families. Et en fin de cette journée, on fait une fête avec les habitants and et les citadins qui sont venus, qui sont des clients. At the end of the day, we had a big party with the people who lived there and people who came to visit from the cities. Donc c'est un projet qui a commencé au mois de mars et continue. So this is a project that started in March and is ongoing. A farmer. À Casablanca, nous vendons les légumes déjà. And we are already selling those vegetables in Casablanca. Yes. Thank you very much for your listening.